Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez tous très bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Vous avez reçu un Chromebook en cadeau? Si c'est le cas, eh bien rien de mieux que de découvrir les 10 astuces incontournables sur Chromebook pour booster votre productivité. Alors pas de classement, c'est plutôt anarchique, cependant vers la fin, eh bien je dirais que j'ai mis les astuces que j'utilise particulièrement au quotidien. Autrement, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si, d'ordre général, eh bien mes contenus vous plaisent, je remarque que vous êtes nombreux à regarder sans être abonné, rejoignez la team Chromebook Live et Tech Live, sans oublier d'activer la cloche de notification, cela va de soi. Sans plus attendre, basculons sur ces 10 astuces incontournables sur Chromebook, let's go! Alors je voulais tout d'abord vous parler de TOT, qui est l'espace regroupant vos screenshots, vos fichiers téléchargés, ainsi que ceux que vous souhaitez épingler pour y accéder rapidement ultérieurement. Eh bien sachez que vous pouvez glisser et déposer un fichier vers un autre endroit. Il suffit donc de rester appuyé dessus et de le déposer dans une présentation, un document ou bien une page web. Dans le cadre de la rédaction de mes articles sur ChromebookLive.com, j'insère mes screenshots plus rapidement à partir de TOT, ça me fait gagner du temps. Deuxième petite astuce qui est simple, mais qui est vraiment incontournable, elle concerne les majuscules. Si vous ne souhaitez pas appuyer constamment sur le bouton Shift Maj du clavier pour écrire une chaîne de caractères en majuscules, vous pouvez activer les majuscules en faisant la combinaison Alt et bouton lanceur d'application ou autrement nommé Everything Button et le tour est joué. Pour désactiver les majuscules, on refait la même opération. Si vous avez envie de travailler sur plusieurs documents à la fois, par exemple, vous avez besoin de lire un PDF et afficher à côté un mail sur lequel vous allez rédiger des notes, eh bien, sachez que vous pouvez disposer les différentes fenêtres directement sur les bords de l'écran de votre Chromebook. Pour cela, vous prenez la première fenêtre et vous la déplacez sur le bord gauche et la seconde au niveau du bord droit. Et comme vous pouvez le voir, Chrome OS va les aimanter. À vous ensuite d'agrandir ou de réduire la largeur d'une fenêtre ou d'une autre pour plus de lisibilité. Si vous n'avez pas de lecteur d'empreintes digitales sur votre Chromebook, un élément hardware que moi j'affectionne particulièrement et que vous ne souhaitez plus perdre du temps à taper votre nom, mot de passe, aux exigences qui sont assez extrêmes, qui peut générer au passage des erreurs, et bien sachez que vous pouvez simplement définir un code. Tout d'abord, vous devez aller dans les paramètres de Chrome OS du côté de la partie écran de verrouillage et connexion pour trouver l'option de connexion par un code. Ensuite, vous choisissez un code d'au moins 6 chiffres et c'est bon, vous retrouverez un pad numérique à l'écran de connexion et vous pourrez vous connecter via code ou mot de passe. Petit conseil, évitez les 6-0 ou bien la suite 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les dates d'anniversaire. Vous avez besoin de séparer vos différentes activités, à savoir les activités professionnelles des activités personnelles au sein d'une même session? C'est plutôt simple en créant des bureaux virtuels. Pour cela, vous devez basculer en mode overview en swipant vers le haut avec vos trois doigts sur le pavé tactile et en créant autant de bureaux virtuels que nécessaire. Ensuite, à vous de créer les contenus dans chacun des bureaux pour bien distinguer vos activités. Petite sous-astuce, vous pouvez simplement basculer d'un bureau à un autre en swipant vers la gauche ou vers la droite sur le pavé tactile avec vos quatre doigts. Vous pouvez aller encore plus loin en profondeur dans l'organisation de vos différents contenus. Imaginons que nous soyons dans un bureau virtuel dédié à vos activités professionnelles. Sachez que vous pouvez organiser vos sous-activités dans Chrome au travers du regroupement d'onglets, ce que je fais désormais naturellement au quotidien. Pour que ça fonctionne, c'est simple. Vous faites un clic droit sur un onglet, vous faites ajouter l'onglet à un groupe, vous créez le nouveau groupe avec un nom et une couleur. Ensuite, il suffit de prendre un autre onglet et de le glisser déposer dans le groupe créé. Ainsi, vous distinguez bien les groupes grâce au code couleur et surtout, vous pouvez cacher l'ensemble des onglets du groupe et les appeler quand vous en avez besoin pour plus de lisibilité. Si vous souhaitez retrouver vos applications ainsi que vos bureaux virtuels que vous avez laissés avant l'extinction de vos Chromebooks, eh bien sachez que vous allez pouvoir le faire en allant dans les paramètres de Chrome OS. Dans la section applications, vous avez effectivement une sous-section pour restaurer les applis au démarrage. Il faut simplement choisir l'option toujours restaurer pour que la magie opère. Vous pouvez aussi dire au Chromebook de vous le demander à chaque démarrage, c'est à vous de voir. Une fonctionnalité incontournable que j'utilise vraiment, mais vraiment au quotidien, eh bien, c'est la fameuse capture d'écran, le fameux screenshot. Tous les jours, je fais des screenshots pour pouvoir les alimenter mon blog dans les différents articles. Et pour aller très vite, j'utilise généralement le raccourci de screenshot complet de l'écran, à savoir la touche CTRL couplée à la touche d'affichage des fenêtres. Mais vous pouvez aussi faire des captures d'écran partielles en faisant CTRL plus SHIFT ainsi que la touche d'affichage des fenêtres. A vous ensuite de délimiter le champ et d'appuyer sur l'icône de capture. Autre astuce incontournable, eh bien ce sont les raccourcis web pour créer très rapidement des documents Google. En effet, si vous êtes dans l'environnement de collaboration Google Workspace, eh bien sachez que si vous écrivez dans la barre d'adresse de Chrome doc.new ou bien sheet.new ou bien même slides.new, Google va automatiquement vous rediriger vers une page vierge de l'application concernée et vous pouvez directement travailler sur une présentation par exemple.
Pour terminer avec ces 10 astuces, hein, j'ai décidé de mettre à la fin le raccourci du pavé tactile dont j'ai explosé le forfait. C'est celui du basculement d'un onglet à un autre sur Chrome. En effet, lorsque vous êtes sur Chrome et que vous souhaitez aller sur un onglet précis, vous pouvez éviter de déplacer votre souris et de cliquer sur l'onglet en question. Il suffit tout bonnement de faire un swipe vers la gauche ou vers la droite avec vos 3 doigts. C'est absolument quelque chose d'incontournable pour moi, je trouve que c'est une belle plus-value sur Chrome OS. Voilà tout pour ces astuces, fonctionnalités que j'utilise quasi quotidiennement pour être plus productif. Si vous aussi vous avez des astuces sur Chromebook qui vous font gagner du temps et que je n'ai pas cité en fait dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Avant de nous quitter, j'aimerais vous souhaiter une très belle fin d'année en espérant que vous avez listé de bonnes résolutions plus ou moins atteignables. Autrement, les classiques, le like et l'abonnement des familles et je vous dis à l'année prochaine. Ciao, bye bye.